Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de notre aventure sur God of War. On est parti, on avait réussi à recréer le pont de lumière, bien évidemment, parce que les elfes d'or ne voulaient pas qu'on s'approche de la lumière. Et on est parti, je pense que clairement ça va être la fin la porte. De Il cet univers pas de séparation. Quoi? On a un problème. Ah bah oui, c'est que c'est pas une porte, tu ne peux pas l'ouvrir en fait. Ça va être compliqué cette histoire encore. Ces portes ne s'ouvrent pas. Eh oh! Je comprends pas. Pourquoi construire des portes dans ce cas? Eh oh! Viens, on va trouver un autre moyen d'entrer. Ah non, on n'a pas fait tout ça pour rien. J'ai battu un golem, les gars. Ça a utilisé ma pierre de raise. Oh non, c'est compliqué cette histoire. Encore non, s'il vous plaît. Sindri? Eh Sindri, on a... Par ici. Oh, encore le nain. Eh Sindri! Tu veux bien regarder ça? À vrai dire, je n'ai pas grand-chose d'autre à faire en ce moment. Wow! Vous avez tué un ancien? Oui. C'était... difficile? Oui. C'est... tout ce que tu vas me donner? Oui. Ok. Travail accompli, très bien. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire pour... ça c'est fait. Alors, on peut faire des choses, je pense, très intéressantes, comme... ne bougez pas. Amélioration de l'arc serre. Ah ben enfin! Ça, ça peut être très intéressant... Bougez pas, arc serre. Tout ce que tu voudras, jeune homme. On peut enfin la... Oh, ça coûte tellement cher. Ça va tout me coûter, quasi. Oh, c'est compliqué, hein. Augmente les dégâts et débloque l'achat de compétences. Oh. Mais je pense que ça peut être important. On l'améliore, je pense que ça peut être clairement important. Ça, c'est fait. Bon, avec tout ça, par contre, j'ai plus d'XP. Qu'est-ce que ce sera? Pas vous mentir que c'est assez terrible. Pierre de résurrection. Ah bah ça faut en acheter une les mecs hein. Ça faut en acheter une, ça coûte 1000. Mais au moins je peux me faire rest si vraiment la situation est trop compliquée ou qu'on la retente trop de fois. Très bien. Je vous cache pas que je vais rien acheter d'autre. Pas très intéressant en soi. Oh, ça ça peut être très intéressant. Là, Atreus, donne un autre. Cette géante est une sorcière. Elle s'appelle Groa. Elle avait des visions on dirait. Est-ce qu'Odin l'a tué pour son livre? Ah, sorcière, très bien, ça peut être très intéressant, parce qu'on connaît tous une sorcière, c'est peut-être sa fille, c'est peut-être elle, on ne sait pas encore. Très bien, on peut continuer, c'est par ici. J'ai pu améliorer l'arc serre, par contre, je peux plus rien améliorer. Ok, quelle est cette musique sombre? Encore une sombrerie, très bien. Évidemment. À quoi ces choses sont attachées? D'accord. Donc si on suit le chemin, ma hache en retombant... Ah non mais... Presque! Même pas, même pas. En faisant ça... Ah! Ok, bougez pas. Faites intéressant comme ça. C'est peut-être pas le bon angle. Cet angle sera peut-être mieux. Ok, donc je pense qu'il faut l'attaquer d'en bas. Il faut l'attaquer d'en bas pour pouvoir ouvrir les trois. Je peux le faire d'en haut, je pense, mais plus compliqué que prévu. Ok. Oh, ça c'est très très beau ça. Oh, c'est très très beau. Ça c'est fait, j'ai réussi à tuer un des gardes assez facilement. Ah, ça s'explose, c'est terrible. Ok, eux ils ont beaucoup plus de vie que les autres. Ils sont encore plus chauds. Regarde les élites, bah, ils sont niveau 3. Très bien. Aïe! Préviens au moins. Ah, ça se passe très. Ok. Ok. J'ai bientôt l'autre une. Qui se débloque, on voit les cooldowns en bas à gauche si jamais. J'ai besoin d'aide, hein, fils. Hein. Ok, les bons coups de fils, s'il te plaît. Ok, toujours travailler les skills. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait.
Et ça, c'est bientôt fait. Une histoire de secondes. Bien sûr, évidemment. Allez, fais un effort. Ah, là, tu commences à devenir chiant. Hop, dans ta gueule, mon pote. Bah ouais, j'ai un fils. T'étais pas prêt. Nani? On dirait il a dit Nani. Ah, très bien, j'ai pris ce que je méritais. Ok, ça c'est fait. T'as vu ça? Ouais, j'ai vu, fils. On l'a fait, toi, plus moi, plus ceux qui le veulent. Ok, ça c'est fait. Ça a pu libérer juste un coffre. Je m'attendais un petit peu mieux, peut-être ouvrir le chemin. Mais bon, on va pas s'en plaindre, évidemment. Une nouvelle attaque. Oh, belle pochette qu'on a là, qu'est-ce que c'est? C'est de l'acier doux. Très bien, ça va permettre d'augmenter encore de nouvelles choses. Ici, on n'a rien, on peut remonter, par contre. Donc, pas très intéressant en soi. Pourquoi je suis venu en bas, moi? Forcément quelque chose, pardon. Ok, un elfe mort. C'est par ici. J'essaye de voir hein, s'il n'y a pas de coffre. Hein. C'est pour ça que je prends mon temps, hein, vous vous doutez bien. Okay, un problème. Allez! Aïe! Aïe! Allez, ça c'est beau! Ça dégage! Bon, lui derrière, malheureusement, c'était un petit peu compliqué cette histoire. Il va falloir être des pierres de guérison. Un petit peu plus. Faut que j'apprenne vraiment à esquiver encore mieux. Ah, c'est chiant ça, non! Jésus! Allez, ça dégage. Pierre de guérison, les potes, s'il vous plaît. Merci. Une kamikaze! Ah ouais, d'accord, j'ai beau me protéger, ils mettent ce que je mérite. Écoutez cette histoire. Y a pas d'autres pierres de guérison, les gars? Je suis pas bien. Kratos en sueur. Allez, déconnez pas! Ça, c'est incroyable. On a encore quelque chose par ici. On a encore quelque chose par ici, très bien! Un royaume est bien plus grand que ce que je pensais. Par où on va passer? Peut-être par ici, non? Qu'en pensez-vous? Hop, c'était un prank. Explication, très bien. Ah bah voilà, on a quelque chose. Qu'est-ce que ça dit? Oui, père! De l'obscurité, protéger la lumière. On peut pas dire qu'ils aient rempli leur mission. D'accord, très très bien. Alors attends fils, parce que là, il y a une sombre ruine. Ok, dites-moi que dedans... Ouais super, bon c'est pas grave, je prends, c'est quand même de l'argent. On en a besoin. L'argent c'est toujours utile, hein, peu importe le royaume. Ah, c'était juste par ici, très bien. Aucun problème. J'ai ouvert quelque chose. Ah, ok, je pensais avoir ouvert quelque chose. Yes, d'accord. Ce qui a brisé des chaînes, je ne sais où, bien évidemment. Toujours pas de vie, merci. Un petit peu de vie là, Miskin, parce que je suis en sueur. Ok, j'ai ouvert des chaînes, je pense que c'est là-bas. On va faire un petit demi. Ah bah voilà, il est là. C'est très beau. Allez, ça c'est fait. Ah, ça commence à devenir de plus en plus compliqué parce que forcément, tu vas ouvrir, tu vas rompre des liens à des coffres qui se trouvent un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a là? Plus 12 et plus 7 et moins 9 en force. Par contre, plus 12 en runes et plus 7 en défense. Alors ça, c'est pas mal. Les runes, c'est quoi déjà? Augmente les dégâts infligés par les runes. Ah, c'est pas mal. J'ai bien envie de l'essayer, mais moins 9 en force quand même. Allez, on va le prendre. En plus, elle est stylée. Couleur or. On va passer par ici. J'arrive, Atreus. On y va. Hop. On retourne exactement là où on était. Que se passe-t-il? Ok, c'est par ici. Pas de soucis, je rappelle qu'on doit contourner parce que la porte ne peut pas s'ouvrir. Si entre-temps vous êtes parti vous prendre un petit café, c'est possible. N'oubliez pas de prendre un petit truc à boire, pourquoi pas, un petit truc à manger. C'est très important de penser à s'hydrater. Là, la lumière. Ils l'ont recouverte de cette chose. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Intérieur du temple. Regarde, anneau. Un autre elfe blanc. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non! Pourquoi il le tue? Il a rien fait. Arrête de supposer. Tu assistes à la fin d'une guerre, Atreus.
Tu ignores comment ils en sont arrivés là. Mais il s'est même pas défendu. C'était son choix. Nous faisons les nôtres. Oh là 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 là. Eh hey, mais... Pourquoi quand il parle, il y a toujours raison, c'est terrible. Mach, ouah, Mach, j'étais à l'autre bout du monde. C'est bon, je m'en occupe. Je sais pas ce que j'ai fait, mais d'où Jésus, j'ai fait quelque chose. C'était quoi ce coup là? C'est nouveau là? Ça vient de sortir. Ah, j'arrive pas à l'achever. Ok. On va prendre un petit peu de recul sur cette situation compliquée. Allez, vas-y, mon fils. Il s'en bat les couilles, il est en plein milieu, c'est pire que moi. Hop, ça. Bon, c'est du one shot. Voilà, ça fait un cutscene, c'est pas grave. Ça permet de se reposer un petit peu les doigts. Les phalanges, comme on dit dans le milieu. Et maintenant ? La lumière est tout près. Cherche un passage. Yeah, j'ai récupéré encore plus de vie que j'en avais perdu. Impeccable. Plutôt cool. Ça. Il est mal, ça. Ah, voilà. Allez, ça, on coupe direct. Mais tout ce que t'as, ça dégage. Et ben voilà, on l'a notre passage, la lumière est là. Oh putain, ça a marché. Regarde, d'autres points de lumière. Un boss? Suis-moi. Il y aura forcément un boss, on est d'accord. C'est obligatoire, il ne peut y avoir qu'un boss à la fin d'un royaume. Je sais pas si on va le faire dans cette vidéo. Mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors ça par contre, c'est vraiment... Je suis une machine, hein. Oh, je suis une machine. Monstrueux. Concentre-toi. Il a rien fait. Attention, père. Bon, je me suis bien sorti. Oh, merde. Ok, on va esquiver. Allez. Ça c'est fait. Aïe aïe aïe. Allez, ça dégage. Boum. Le coup ultime. Ça c'est beau ça. Ok. Oh là là, c'est abusé, hein, vraiment. Hein. Heureusement que j'ai déverrouillé cette fonction et qu'il m'envoie de la récupération. Sinon, ah oh bah tiens, ça dégage. Hop, tu m'as saoulé. Sinon, c'est clairement compliqué cette histoire. Oh, d'où Jésus. Merci à Tréus sur le coup, hein. Hop, on va prendre ça. Ah, ils m'aident bien, vraiment. Allez, on va réouvrir un autre chemin de lumière. C'est parti, régale-moi. Je pense qu'il va falloir faire tout le tour pour arracher le cœur de cette chose. Tu rétablis tous les passages. Ouais, c'est le but du jeu. Bah, c'est pour les mecs d'après. Si jamais ils veulent... tu vois ce que je veux dire? Ok, on y va. Aucun souci. Enfin, aucun souci, j'ai eu chaud quand même. Heureusement qu'il y avait le mode rage. Oh, de la vie. C'est jamais bon signe, hein. Quand ils te mettent de la vie gratuitement sur un chemin, c'est... Vous savez ce que je dis, hein? Ça sent la douille. Clairement. Ah. Oh. Bon, je vais pas tous les faire, là, par contre. Hein. Là, il va falloir... s'introduire dans la colonie, très bien. C'est trop compliqué. On trouvera peut-être la lumière ailleurs. Non, laisse-moi essayer. Waouh. Il faut que je me mette à l'endroit qui peut tous les percuter. Non, c'est pas sérieux là. Tu vois, c'est impossible. Allons-y. Attends. Il y a forcément quelque chose. Comment c'est faisable? Uh-huh.
D'accord. Il faut trouver tous ceux qui sont en lien ensemble. Très bien, donc là... c'est fait aussi. Et là, plus que 3 normalement. Donc en se mettant ici... ça y est! Chose faite. Je suis une machine. Non mais les gars, il faut savoir se remercier. C'est pas vous qui allez le faire en commentaire. Vous êtes beaucoup trop méchants. Même si normalement ce serait votre rôle de m'encourager et dire t'es un P-boy. Là franchement écoute, je t'ai applaudi. Je t'ai applaudi. Je pense pas qu'on devrait être là. Silence. Ah oui, il y a des gens éclatés contre le mur. Un petit peu terrible hein, ce qui leur arrive. Hein. Okay. T'as entendu? Reste sur tes gardes et ne t'éloigne pas. Intéressant. Dis, quand on aura atteint la lumière, comment on la fera rentrer dans le Bifrost à ton avis? La sorcière a dit d'entrer dedans. Vraiment? Juste avant d'être arrachée à ce royaume. Comment lui fera t ça? Tu étais plus préoccupé par son sort que par notre objectif. Ah! Hop! Silence. Je le tiens. Un couteau vite. Heureusement qu'il est là, Trius, quand même. Hein. Pas se mentir, hein, les gars, sinon ça aurait été un c'est petit peu compliqué. Loin. Ne t'éloigne pas de moi, Trius. Pas besoin de me le répéter. Tu vas te faire encore kidnapper, là. Qu'est-ce qu'on a là? Je me demande s'il y a un nouveau coffre, oh, peut-être. Ça serait sympa. Tellement gluant. Gina, Duna! On voit un autre! Reste là! La lumière! La lumière! Nous sommes tout près du but, mais on doit rester prudent, compris? Compris. Lumière d'Alfheim! Très bien, ça c'est fait, nous y sommes enfin. On va pouvoir imbiber, n'est-ce pas, l'arc de lumière. Ça, c'est plutôt cool. Détruire la colonie et obtenir les lumières. Là, ça, par contre, c'est quand bon. Quand ça tombera, tiens-toi prêt. On devra faire vite. D'accord. Ok. Alors, je sais pas ce qui va se passer. Quand ça tombera, tiens-toi prêt. C'est-à-dire que même moi, je ne suis pas prêt. Ça, c'est un avertissement pour le joueur. Ça va arracher. Hein. D'accord. Attention. Ils arrivent. Suis-moi et couvre nos arrières! Oui, père! Kanda! Ok! Ça, c'est. D'où Jésus? Oh, c'est beau! Oh, c'est beau! Continue de tirer! Je vais dégager la voie. Ouais, bon, les gars. Aïe. Ah ouais, mais... heureusement qu'ils font pas beaucoup de damage. Il est chiant, par contre. Très bien, ça dégage. Réduis l'intervalle entre tes volets. Tu m'avais dit la précision avant la vitesse. Il y a des cibles partout. Tu ne peux pas les rater. Il y a pas de mort. Aïe. Aïe. Je prends ce que je mérite! Oh, c'est pas vrai, hein. Je pourrais jamais passer. L'étroitesse du chemin devrait les retenir! Reste concentré! Allez, dépêche-toi, Trius, hein! Heureusement qu'on perd pas beaucoup de vie, hein, parce que là, c'est terrible. Allez, ça, ça dégage. Allez, ça c'est bon. Bonne chose de faite. La lumière, normalement c'est fait. Je me vois pas battre un boss dans des petits couloirs comme ça. Atreus. Tu es blessé? Non, ça va. Waouh, c'est magnifique.
La lumière. Elle fait réapparaître le temple tout entier. C'est la source de tout. Écoute. Elle chante. J'entends. Je l'entends. Je t'avais dit que c'était elle. Tu crois qu'elle est ici? Oh, ça fait vraiment mal. Comme si maman était en feu. Reste ici. Mais je veux venir. Tu restes ici. Ne l'utilise qu'en dernier recours. Tu me donnes ta hache? Je te laisse tenir ma hache. Ce n'est pas un cadeau. Quand même. Ok. Ok, il se passe quelque chose de sombre par ici. Il faut que tu reviennes. Tu m'as laissé tout seul. Atreus. Avec lui. What? Si t'étais tout seul, tu pouvais pas être avec lui. Ok. On va faire quoi là? On va revivre un petit passage? Il part sans arrêt. Il est jamais là. Il veut pas de moi et il m'acceptera jamais. C'était le passé, quand je n'étais pas là à la maison. Atreus, j'ai appris que tu parlais sur moi à ta mère. Dès que je reviens, ça va partir en couille. Je sais rien de lui et il sait rien de moi. Mais je l'intéresse pas. Je suis fort et intelligent. Je suis pas comme il l'imagine. Je sais que j'ai raison. D'accord, quelle est cette sombrerie? Il me parle jamais. Il veut rien m'apprendre. C'est tort, ça. Ça aurait dû être lui. Tu m'entends? Lui, pas toi. Ok, donc c'est derrière. On avait une statue. Je crois que c'est tort, hein, avec son marteau, forcément. Ok, ça c'est de la belle carpe. Hein. Ça, je connais bien, les gars. Ça, c'est de la bonne pêche. On va passer par ici. Mais pas qu'il y ait grand chose à récupérer. Je le pense pas vraiment. Tu sais que je l'aime. Je voudrais juste qu'il soit meilleur. Je sais qu'il en est capable. Oh, mon fils, il veut que je sois meilleur. Je rentre, je l'arrache. Ça va, la comédie. S'il fait des efforts, j'en ferai aussi. Mais sinon... Je t'en prie, reviens. Je sais que t'es là, quelque part. Ah! C'était au moment où elle est morte. Ça, c'est triste. Quelle est cette sombrerie? Qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? Attends! Reviens! Non! Non! Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui t'a pris? Je t'ai sauvé! T'étais coincé là-dedans! J'ai attendu encore et encore, mais comme tu revenais pas, alors je t'ai tiré de là! Atreus! Je ne suis parti que quelques... minutes. Non! T'es parti vraiment... très longtemps! Je savais plus quoi faire, tu m'as abandonné! Encore une fois! Pourquoi tu t'en fiches? C'est impossible. On devrait partir avant qu'ils reviennent. J'espère que t'as trouvé ce que tu cherchais. Oui. Regarde, on peut sortir grâce à ça.
Mais il n'y a pas de lumière pour créer un pont. On est coincé. Et la corde d'arc de la sorcière ne sert à rien. Atreus, ton arc. Tiens-le. Vous avez obtenu des flèches lumineuses lancées l'aise sur les cristaux lumineux pour les remplir de lumière d'Alfheim. Ok, très bien, vous avez... Ok, bon, aucun souci. Toujours la même chose. Quand je te le dirai, lance ta flèche sur la pierre. Maintenez L2 pour viser et appuyez sur carré. Oh, ça a marché. On peut rebrousser chemin maintenant. Mâche frère. Viens. Très bien, ça c'est pas mal. Est-ce que par hasard... Ok, donc je suis parti vraiment longtemps, il a fait un massacre. Je suis fier de lui. Bon, on a la lumière. Oh, la lumière, faudrait éviter de rester dedans, vous l'aurez compris. Ou alors y aller à deux au pire. Mais on risque d'être enfermé très longtemps dedans. Et ça risque d'être très compliqué. C'est parti, on peut tracer. L'escalier est bloqué. T'inquiète, fils. Il y a un cristal lumineux. Là, juste devant. Il pourrait peut-être nous aider à quitter cet endroit sordide. Quoi ? Quelle est cette sombrerie ? Ah ! Il est juste plus à sa place. Très bien. Très très bien, donc on va pouvoir créer un chemin ici, je suppose. Voilà. Et là, on va récupérer le coffre, c'est pas mal. Ok, de nouvelles choses encore s'ajoutent, bien évidemment, dans tout ce que l'on peut faire. Et ça, c'est plutôt cool. Un nouveau coffre. Rajouter. Vas-y, fais-moi aller. Ça, c'est une ruine, ça, je connais bien. Objet rare. Enchantement, réduit de 12% les dégâts infligés par les elfes, les attaques pardon, d'elfes noirs. Très bien, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a rien d'autre, on n'a rien d'autre. On avait juste un coffre. Ok, c'est confirmé, on n'avait qu'un coffre en plus. C'est déjà pas mal en soi. On va pouvoir descendre, prendre le cristal et le mettre à gauche pour se tirer de là. Bon, ça va, c'était pas trop dur. Juste un petit peu dommage. Il n'y a pas eu de boss, en tout cas pour le moment, peut-être qu'il nous attendra à la sortie, mais il n'y a pas eu de boss épique, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est un petit peu dommage. Je ne veux pas dire depuis le début du jeu, hein. Je parle de dans ce royaume en fait. Ah oui, mais alors attends. Ah, d'accord, ok, on pourrait passer par ici. Petit moment de doute, un petit moment de frisson, c'est normal. Allez, c'est parti, fais-moi rêver. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Très bien. On a aussi quelque chose ici. Quoi, je ne sais. Ah si. Ça c'est fait. Ça ouvre quoi? Un tout petit coffre en bois. Il est mignon. Ça c'est de la cajou d'ailleurs, je connais bien. Ah, ça c'est cool. Tu dégages. Ok, un petit peu d'argent, je suppose. Quelques pesetas. 700 balles! C'est pas mal. C'est pas mal, on prend. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a encore quelque chose ici. Oh, 3 cette fois? C'est pour moi. Ok. Attends. Atreus. Atreus, c'est la merde! Ok. Faut que j'arrive à ouvrir le passage. Mais le seul moyen, c'est par ici. Les flèches n'arrivent pas à passer au travers de cette chose. Eh oui. Mais oui, c'est clair. Ok, j'ai ma petite idée. On va pouvoir passer par ici. Et normalement... Ça n'a pas marché. Mais normalement, ça aurait dû marcher. Et ça, c'est terrible. Alors ça, c'est dingue. Ah, c'est pas ça, hein. Attends. Ah, d'accord. Ok, donc si même les chemins de lumière font des courbes, les gars, on n'est pas bien. Ah! Je pense que je mérite. Ok, il est où l'autre?
ça dégage. Il est chiant. Hop, bah il est mort. Il est totalement mort, c'est terminé pour lui. Fin de l'aventure pour le joueur australien. Ok, c'était juste ici. Très bien. Ouais, mais j'ai tendance à toujours chercher trop loin. Je peux activer le cristal si tu me trouves un angle de tir. Ben voilà. Remontons à la surface. On peut se casser. On a quoi là? On dirait un coffre? Non, pas du tout. Je fais gaffe à tout, hein. Ça m'intéresse, moi, les coffres, vous savez que je suis preneur. Très bien. Il y avait un petit truc ici, je vois pas du tout ce que ça... Ah, d'accord, c'était juste pour passer par ici. Ok, très intelligent. Tout est très intelligent dans le jeu, c'est incroyable, ce jeu est très intelligent. On va par où? Ah, d'accord. Hop, c'est fort. Ok. Allez, ça dégage. Et toi, tu vas prendre ce que tu mérites. Allez, ça dégage aussi. Bon, on en était où? Où était la sortie? Je crois que c'était par ici, non? Il me semble que c'était cela. Quoique, est-ce que c'est pas un coffre qu'on a là? Bougez pas, on prend son temps, on apprécie. En tout cas, moi, je kiffe. Et vous êtes très nombreux dans les commentaires à me dire aussi de prendre notre temps. Donc, je vais pas me gêner. Ok, il y avait rien. Eh, vaut mieux rebrousser chemin, mais au moins, voilà, on est sûr que ne pas y aller et avoir le doute tout le temps. Ça, c'est terrible. Vivre avec le doute, les amis, c'est terrible. C'est pas un bon épisode, tu vois. Si l'épisode d'après, j'ai un doute sur l'épisode d'avant, c'est pas fou. Ok. Pardon? Alors lui il est chiant. Ok. Alors lui il est chiant. Non! Mais à aucun moment j'ai appuyé sur toutes ces touches, bordel! Qu'est-ce que tu fais, Kratos? Oh non, je suis tellement dégueu. Oh, je suis tellement deg. Jamais, au grand jamais, j'ai appuyé sur la touche R3. C'est pas grave, je peux pas lui en vouloir. Ok, attaque runique rapide. Maintenez R1 pour charger jusqu'à 3 vagues de givre. Foutez de ma gueule. On l'a déjà fait celui-là, non? Ah mais c'est vrai que je suis amoureux de celui-ci quand même, hein. Parce qu'en plus il est étourdi et ça c'est cool. On va le garder encore. Ah, je suis amoureux, il faut le dire. Ok, on a quelque chose de l'autre côté, très bien. On a forcément quelque chose, voilà, on va faire ici. Pas de soucis, hop, on va récupérer ceci. Où est-ce que tu vas mettre ça? Vaut mieux pas savoir, Atreus. Ok, on a quelque chose ici par contre. Et ça j'achète. Ah. Ok, il peut rien me dire. Ouais. Ah, bah si. Là, regarde. Tiens, tiens. La porte bleue qui n'est pas une porte. Et une vasque de sable. Et comment je suis censé l'attendre? Ok, connaissance ajoutée, ça c'est plutôt cool. Je vous cache pas que j'avais pas vu le temps passer. On a déjà dépassé la demi-heure, les amis. Je vais m'en occuper, mon fils, et ça sera au prochain épisode. Le prochain épisode risque d'être démentiel. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. À très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.